Bonjour. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de Windows, donc. Et puis, on ouvre un éditeur de par d'éditeur, une fenêtre de commande, un avis de commande, dans lequel je suis allé dans le répertoire dans lequel j'ai installé Python. Donc, quand on tape dire, on voit tout le contenu du répertoire. Il y a python.exe là, n'est-ce pas? Et il y a également le fichier. Essai.py que j'ai fabriqué il y a quelques instants. Donc ce fichier, c'est mon premier programme Python que j'ai exécuté. Alors j'ouvre un bloc-notes. Dans mon bloc-notes, on voit mon texte. On voit qu'ici, c'est marqué une première ligne où c'est marqué que le texte est codé en UTF-8. C'est indispensable parce que vous voyez, il y a un E accent aigu ici. Donc sinon, il comprend même pas que c'est de l'ASCII normal. Bon, la ligne suivante, c'est du texte, du code, et puis enfin le code lui-même. Bonjour, c'est une formation. Il faut maintenant l'enregistrer. Faites attention d'enregistrer tout ça avec un nom essai.py. C'est assez logique qu'on mette py pour Python. Mettez tous les fichiers en dessous, sinon il vous rajoute .txt au bout. Donc, si vous faites maintenant enregistrer, ça marche. Et puis. On peut revenir sur le terminal, voilà. Et sur le terminal, on va donc lancer la commande qui exécute le programme. Donc la commande, c'est donc Python, et puis un espace, et puis le nom du fichier qu'il faut aller interpréter, donc essai.py. PY, voilà. Donc ça me lance, bonjour les SEM Formation, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci bien.